Observons un pilote sur une moto à l'arrêt. Tout le monde sait que l'ensemble pilote plus moto est un ensemble en équilibre instable. Il est cependant possible de faire du surplace, comme le démontrent parfaitement les trialistes. Thierry Michaud, en braquant et en bougeant la position de son corps, amène l'ensemble pilote et moto à l'équilibre. Dans cette position, la projection du centre de gravité au sol passe par la ligne qui joint les points d'appui des roues. Constatons l'instabilité d'un monocycle. Utilisons une roue. À l'arrêt, elle tombe. Si on lui fait prendre de la vitesse, elle roule, puis tombe en spiralant d'un côté ou de l'autre. Si on la lance avec plus d'énergie, elle met plus longtemps à tomber. Si on braque sur la droite une roue de vélo qui tourne, l'effet de précession va la faire s'incliner à gauche. Si on incline cette même roue de vélo qui tourne, c'est-à-dire si on lui donne du carrossage vers la droite, elle va braquer à droite. Cet effet gyroscopique, essentiel dans la stabilité de la moto, croît avec la vitesse. Il est aussi proportionnel au poids de l'ensemble tournant et au diamètre de la roue. Revenons à la moto pour constater le phénomène. En ligne droite, l'augmentation de la vitesse permet au pilote de diminuer ses interventions pour le maintien de l'équilibre. Pour prendre un virage, si un motocycliste se contente de tourner le guidon, il se sent attiré vers l'extérieur du virage et sa chute est inévitable. Cette force qui l'attire vers l'extérieur du virage est la force centrifuge. Pour prendre un virage, il faut donc combattre l'effet de la force centrifuge. Le motocycliste y parvient en s'inclinant avec sa moto vers l'intérieur du virage. Pour que le pilote ne tombe pas en virage, il faut arriver à un équilibre entre les différentes forces en présence. La résultante force centrifuge, poids pilote plus moto, doit passer par l'ellipse de contact au sol. La poussée de carrossage du pneu doit avoir une valeur égale et une direction opposée à la force centrifuge. L'art et l'expérience du pilote consistent à réaliser cet équilibre sans forcément en être conscient. Quelle que soit sa vocation, la moto comporte toujours un certain nombre d'éléments. L'ensemble roue avant-pneu supporte la charge, assure la fonction de guidage et subit l'essentiel de l'effort de freinage. Le pneu participe à la fonction suspension. La fourche est chargée de maintenir le pneu avant en contact avec le sol. C'est sa fonction suspension. Elle doit maintenir le plan de symétrie verticale de la roue avant confondu avec celui de la roue arrière. C'est sa fonction géométrie véhicule. L'ensemble roue arrière-pneu supporte la charge et assure la propulsion du véhicule. Relié au cadre par un axe, le bras oscillant doit, comme la fourche, maintenir le plan de symétrie verticale de la roue arrière confondu avec celui de la roue avant. Associé à la suspension, il maintient la roue arrière en contact avec le sol. Le cadre, par sa rigidité, maintient la colonne de direction rigoureusement perpendiculaire à l'axe du bras oscillant. Il supporte le moteur et les accessoires. La colonne de direction et le guidon, c'est par eux que le pilote transmet les ordres à la moto. Le moteur est l'élément le plus lourd de la moto. À ce titre, il contribue à la rigidité du cadre. Définissons maintenant quelques valeurs caractérisant la partie cycle d'une moto. L'empattement, c'est la distance comprise entre les projections verticales au sol des axes de roue avant et arrière. L'empattement intervient dans la stabilité du véhicule. Le déport au sol,
c'est la distance entre l'intersection de la projection au sol de l'axe de la colonne de direction et l'intersection de la projection verticale au sol de l'axe de roue avant. L'angle de chasse, c'est l'angle formé par l'axe de la colonne de direction et la verticale. Avec le déport au sol, l'angle de chasse contribue à la stabilité directionnelle. La maniabilité est la faculté qu'a une moto de suivre les ordres de son pilote dans les changements de direction. La stabilité est la faculté qu'a une moto de se tenir verticale au roulage en ligne droite et sa capacité à suivre sa trajectoire en courbe. Un train sur les rails est parfaitement stable sans être maniable. Le rapport qui privilégie stabilité ou maniabilité est étudié en fonction de la vocation de la moto. Ainsi, une moto de trial est plus maniable que stable. A l'inverse, une routière rapide est plus stable que maniable. Quelles sont les valeurs qui agissent sur ces deux caractéristiques? Tout d'abord, l'empattement. Plus il est important, plus le véhicule sera stable en ligne droite et peu agile en virage serré. Inversement, un empattement réduit rendra le véhicule instable en ligne droite, mais très maniable. Par exemple, l'empattement d'une moto de trial est de l'ordre de 1300 mm. Alors que celui d'une routière peut atteindre 1600 mm. Par ailleurs, si le déport au sol est nul, au passage d'un obstacle, on aura le point de contact pneu-sol en avant de la ligne de direction et par conséquent, une instabilité de la roue avant. Par contre, avec une certaine valeur de déport au sol, la roue touche le sol derrière la ligne de direction, c'est-à-dire qu'elle est tirée, donc si elle est déviée par une bosse, elle reviendra d'elle-même en ligne droite. L'angle de chasse contribue avec le déport au sol à la stabilité de la machine. C'est l'exemple de la roue de caddie qui, malgré son déport au sol, oscille en permanence autour de l'axe de direction du fait de l'absence d'angle de chasse. La hauteur du centre de gravité agit également sur le comportement d'une moto. La notion de poids n'est pas seule déterminante dans la maniabilité. La position du centre de gravité a aussi une incidence. La tenue de route caractérise le comportement de la moto dans ses différentes phases. Accélération, freinage en ligne droite, en courbe, la sensibilité aux excitations dues au sol. C'est là qu'intervient le travail de l'ensemble pneu-suspension. Le but premier de la suspension est, rappelons-le, de maintenir les pneus parfaitement en contact avec le sol. La suspension doit supporter la charge et accepter les variations dynamiques en charge sans atteindre les butées de suspension. C'est précisément le travail du ressort. Quant au travail de l'amortisseur, il consiste à minimiser l'accélération verticale des masses suspendues. Au freinage, on a un report de charge sur l'avant qui entraîne un délestage de l'arrière et un enfoncement de l'avant. Du fait que l'axe de la roue avant ne puisse débattre dans un plan vertical, car tributaire de l'angle de chasse de la fourche, on a donc, lorsque la moto pique du nez, une réduction sensible de l'empattement, du déport au sol et de l'angle de chasse.
L'arrière se délaisse tant. Le bras oscillant s'éloigne de la position horizontale et contribue lui aussi à réduire l'empattement. D'autre part, le transfert des masses de l'arrière vers l'avant change les valeurs de freinage sur la roue avant et la roue arrière. Plus le freinage est violent, plus le transfert des masses est important sur l'avant et plus le délestage de l'arrière est important. Donc, il faut exercer une pression dégressive sur la pédale de frein pour éviter un blocage de la roue arrière. À l'accélération, on a un report de charge sur l'arrière qui entraîne un délestage de l'avant et un enfoncement de l'arrière. Pour les mêmes raisons qu'au freinage, à savoir l'impossibilité du déplacement de l'axe de roue avant verticalement, on a augmentation de l'empattement, de l'angle de chasse et du déport au sol. Le bras oscillant, tendant à se rapprocher de l'horizontale, contribue à l'augmentation de l'empattement. Les variations de géométrie sont évidentes si l'on superpose l'image de la moto au freinage et à l'accélération. En virage, la force centrifuge comprime les suspensions avant et arrière et l'on modifie la géométrie de la moto en réduisant le déport au sol et l'empattement. L'angle de chasse ne varie pas si les compressions des suspensions avant et arrière sont égales, c'est-à-dire si l'assiette de la moto est conservée. Go. Go. Certaines motos sont plus stables en duo. Le corps humain se comporte comme un amortisseur et favorise l'équilibre, donc le comportement. Une charge inerte, top case, sacoche, ne fait par contre qu'élever le centre de gravité et nuire à la stabilité. Il est bien évident que toutes ces variations de géométrie au roulage induisent des variations sur les performances en stabilité et en maniabilité. Le pneumatique doit supporter la charge, la vitesse, les couples d'accélération et de freinage avec une déformation minimale des flancs. Rappelons que le pneumoto travaille en carrossage important et en dérive pratiquement nulle. Le pneumatique est le seul contact entre le véhicule et le sol. Il se caractérise par sa déformabilité, qui est sa capacité d'absorber les imperfections du revêtement en minimisant les réactions sur la partie cycle. L'adhérence est la capacité d'un pneumatique à transmettre les efforts sur un sol donné. Elle est fonction du pneumatique lui-même, mais aussi du sol et de son état, qui peut être sec, mouillé, propre ou sale. Oscillation latérale de la roue avant à vitesse moyenne autour de 60 à 80 km/h. Il s'agit d'un mouvement entretenu. L'architecture et la forme d'usure peuvent être à l'origine du chimie, mais le pneumatique n'est pas toujours en cause et le chimie peut apparaître si le pontet de liaison entre les fourreaux est trop faible ou mal serré, ou encore si on a effectué un mauvais serrage des têtes de fourche. Le guidonnage est provoqué par une excitation extérieure, par exemple au passage d'une bosse ou d'un raccordement, et ce à n'importe quelle vitesse. Ce mouvement de la direction
généralement de courte durée, peut être brutale et ample, selon le type de véhicule et de pneumatique. Le louvoiement désigne une oscillation entretenue de l'ensemble de la moto à une vitesse qui est généralement supérieure à 150 km/h. Nous mettrons en évidence de multiples causes à l'origine du louvoiement. Défaillance dans la rigidité du véhicule, déséquilibre dans l'aérodynamique entraîné par sacoche, tête de fourche ou autre, et enfin, les pneumatiques. Bien que spectaculaire, ce mouvement entretenu d'amplitude constante n'empêche pas le pilote de conserver sa trajectoire, y compris en virage. Un motocycliste insatisfait par le comportement de sa moto dans certaines situations ne sait pas toujours analyser les troubles qui sont à l'origine de son insatisfaction. Il est donc nécessaire de procéder à une sorte de check-up rapide du véhicule dans lequel on va progresser de manière systématique en commençant par l'avant de la moto pour terminer par la roue arrière. Pour les besoins de la démonstration, nous allons déshabiller une bimota. Commençons par la roue avant. On place l'avant de la moto sur chandelle. Un coup d'œil sur le tableau Michelin permet de s'assurer que le pneu en place est bien prévu pour être monté sur cette jante et ce type de moto. On vérifie l'état du pneu en regardant tout d'abord les témoins d'usure, mais aussi en examinant si l'usure est bien régulière sur tout le profil. Certaines formes d'usure anormales du pneumatique avant peuvent favoriser le chimie. Ne pas oublier de s'assurer que le sens de rotation du pneu a bien été respecté au montage. On contrôle sur chacun des flancs que le centrage du pneu sur la jante a été fait de manière correcte. La vérification de la pression de gonflage est indispensable. Elle doit correspondre aux valeurs indiquées sur le tableau Michelin. Une pression insuffisante à l'avant peut engendrer une déformation transversale du pneu et occasionner du louvoiement. Avant de revisser le bouchon de valve, il n'est pas inutile de vérifier son bon état et ne pas hésiter à le changer. C'est ce bouchon qui, à grande vitesse, assure seul l'étanchéité. Il faut également s'assurer que l'équilibrage est correct. On peut vérifier que la jante n'a ni voile ni forons en la faisant tourner et en utilisant tout simplement un réglet calé contre un point fixe. Une jante avant, même légèrement voilée, pourrait accentuer le phénomène de guidonnage. Un défaut de planéité du disque de frein peut se révéler par une forme d'usure particulière sur le pneu. La roue avant est montée sur roulement à billes. S'il y a usure ou défectuosité d'un roulement, la roue va avoir du jeu sur son axe, ce qui pourra se traduire par du louvoiement. Il faut donc contrôler qu'il n'y a aucun jeu et que la roue tourne bien librement. Passons à la fourche pour vérifier tout de suite qu'il n'y a pas de jeu. Le cas échéant, on s'efforcera de déterminer quel est l'élément qui semble à l'origine du jeu. On observe s'il y a du jeu entre le tube et le fourreau de chaque côté. Sur la plupart des motos, on peut avoir un jeu provoqué par un mauvais serrage du pontet de fourche, entraînant un alignement défectueux des fourreaux susceptible d'occasionner du chimie. Par ailleurs, l'ordre de serrage des différents organes est à respecter, à savoir d'abord l'axe de roue, on fait jouer la fourche, puis serrage des fourreaux sur l'axe de roue, et enfin serrage du pontet. Il faut toujours avoir à l'esprit que pour jouer son rôle dans la suspension, la fourche doit réagir d'une manière absolument identique de chaque côté. Quatre paramètres sont à considérer et doivent toujours être symétriques. Le niveau et la qualité d'huile, les ressorts,
les cales de précontrainte des ressorts, éventuellement la pression d'air. Une mauvaise étanchéité des joints entraîne la diminution de la pression d'air ou du niveau d'huile dans un tube. Quelle qu'en soit l'origine, une asymétrie dans le fonctionnement de la fourche engendre une prise de carrossage de la roue avant et crée du louvoiement. Arrêtons-nous sur la colonne de direction. La moto est toujours sur chandelle et, s'il y en a un, l'amortisseur de direction doit être démonté. À noter que l'amortisseur de direction est là pour diminuer l'amplitude du guidonnage. Son effet doit être nul autour du point zéro, c'est-à-dire direction droite. Pour effectuer les vérifications qui s'imposent, il faut éviter d'être gêné par les câbles et les gaines. On fait alors bouger le guidon dans toute son amplitude en cherchant à sentir s'il n'y a pas de point dur. La colonne de direction est montée avec deux roulements coniques. Attention, les roulements coniques ne supportent pas d'être trop serrés. Les constructeurs peuvent ne pas indiquer de valeur de couple de serrage, celui-ci étant trop faible. Il faut donc serrer à la limite du jeu, jusqu'au moment précis où l'on sent que les parties métalliques sont en contact, et s'assurer que cette partie est toujours bien graissée. Un serrage excessif contraint les roulements. La direction devenant alors trop dure, les perturbations de la roue avant se transmettent à l'ensemble de la moto. Le mauvais état des roulements provoque un point dur et génère du louvoiement. Le cadre doit, rappelons-le, maintenir rigoureusement l'axe de direction perpendiculaire à l'axe du bras oscillant pour éviter du louvoiement. La partie la plus sollicitée et donc la plus sensible se situe à l'avant du cadre, à la jonction avec la colonne de direction. Une amorce d'écaillage sur les cordons de soudure situés au point de sollicitation peut révéler une faiblesse de cette liaison. Le moteur contribue à la rigidité de l'ensemble cadre plus moteur. Il est très important de serrer les fixations du moteur au couple de serrage préconisé par le constructeur. Un serrage insuffisant provoquerait en effet un manque de rigidité torsionnelle du cadre, d'où vibration et louvoiement. A l'inverse, un excès de serrage entraînerait des contraintes anormales sur le cadre et dans ce cas aussi, du louvoiement. Pour le contrôle de l'arrière, on place la moto sur chandelle. L'axe de bras oscillant est monté sur roulement à aiguille. Du jeu dans les roulements empêcherait de conserver l'axe de bras oscillant rigoureusement perpendiculaire à l'axe de direction et entraînerait du louvoiement. Contrôlez que l'amortisseur fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de jeu vertical dans les fixations ni dans les biellettes. Il est nécessaire de vérifier que le bras oscillant n'est pas faussé. Pour un contrôle rapide, il existe deux méthodes. Ici, on place deux règles pour observer qu'elles sont parfaitement alignées. On peut aussi vérifier que la hauteur de l'axe de roue par rapport au sol est identique de chaque côté. Un bras oscillant vrillé entraînerait une prise de carrossage de la roue arrière et par conséquent du louvoiement. Il y a plusieurs manières de régler la tension de chaîne. Sur cette moto, les deux excentriques sont clavetés sur l'axe de roue. Par contre, sur la majorité des motos, après tension de la chaîne, il faut s'assurer que les distances entre l'axe de bras oscillant et l'axe de roue sont identiques de chaque côté. Si ce n'est pas le cas, la roue arrière n'est plus dans l'axe de la roue avant, ce qui crée, nous le savons, du louvoiement. On vérifie bien sûr qu'il n'y a pas de jeu dans les roulements de la roue arrière, ce qui entraînerait le même phénomène. Nous arrivons à la roue arrière. Comme pour la roue avant, on contrôle que la roue arrière n'a ni voile ni foron pour éliminer cette cause possible de louvoiement. Le pneu arrière nécessite les mêmes vérifications que